impressionnant, n'est-ce pas? La tour Eiffel, récemment touchée par la foudre. C'est un photographe qui s'appelle Bertrand Kulik qui a pu shooter ce moment exceptionnel. Et on a même le témoignage d'un touriste qui était sur la tour Eiffel à ce moment-là. Alors, monsieur, vous étiez sur la tour Eiffel quand la foudre est tombée. Quelles ont été vos impressions à ce moment-là? Ça a fait comme un gros flash de photo. Voilà, j'ai cru que c'était un touriste qui prenait une photo. Un gros flash quand même. Voilà. Puis après, je me rappelle plus de rien. Voilà. Bon, merci de nous avoir tenus au jus. Oh. Non, je voulais dire de nous avoir éclairés. Oh, excusez-moi, de nous avoir mis au parfum, quoi. C'est vrai que ça sent le poulet rôti. Monsieur.